blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché dans la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'a pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a cru au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera son jour. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance me comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Celui qui
ayant traversé les cieux, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté les péchés. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mort sur le Calvaire. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil.
Il vaut mieux que ce bonheur pour le peuple. Or, si l'on vient, ainsi que notre disciple suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ce mot, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua, si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Pierre. Simon Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, n'es-tu pas aussi l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit, non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parlant de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, s'il n'était pas un malfaiteur, nous ne pourrions pas livrer cet homme. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre à mort quelqu'un. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, à rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit,
Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur déclara: moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la plaque. Voulez-vous donc que je vous relâche au roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant: pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors il a fait saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines de bourre qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent de manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: salut à toi, roi des Juifs! Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit: voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: crucifie-le! Crucifie-le! Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: d'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu me l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui va arriver à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs se mirent à crier: si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. Entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Alors ils crièrent: à mort, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit: vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'il le crucifiait et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit: je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit,
je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui mourra. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés les habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, j'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et l'on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en froid durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils leveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et de l'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sœurs, voici que nous venons d'entendre le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le connaissons bien, nous le méditons à de nombreuses reprises, et cette passion du Christ est l'histoire toute simple d'un homme abandonné, trahi et bafoué. Elle nous montre un chemin déroutant, révoltant, mais où apparemment Dieu semble se taire. Mais si nous nous unissons à la prière de toute l'Église le Vendredi Saint, ce n'est pas seulement pour commémorer l'anniversaire d'un événement vieux de plus de 2000 ans. C'est d'abord pour communier au sacrifice volontaire de Jésus qui donne sa vie pour sauver chacun et chacune d'entre nous. Dans un premier temps, la croix est la victoire de l'amour. Voilà une affirmation absolument capitale qui résume bien le message de ce Vendredi Saint. À nous de nous demander si nous sommes capables d'accueillir cette vérité où la croix est la victoire de l'amour. Sommes-nous donc remplis de l'Esprit Saint pour en témoigner aujourd'hui dans le quotidien de nos vies? Ce Vendredi Saint, notre regard se porte vers donc la croix du Christ. Cette croix du Christ symbolise la souffrance de l'homme, notre souffrance. Pour beaucoup, elle s'appelle langue, maladie, souffrance, échec, violence, deuil. Mais la croix du Christ n'est pas une croix comme les autres. Elle est pour tous les hommes et pour chacun absolument unique. Elle est notre unique espérance parce qu'elle est la victoire de l'amour. En ce Vendredi Saint, nous ne célébrons pas la souffrance ni la mort. Nous célébrons le signe de l'immense amour de Jésus-Christ et de Dieu notre Père pour tous les hommes et pour toutes les femmes sans exception. Ce n'est pas une croix ignominieuse, c'est une croix glorieuse, c'est la croix de l'amour. Aussi, la croix du Christ est donc signe d'amour, signe de notre salut, signe que le Christ va jusqu'au bout pour nous aimer. Reste pour chacun de nous, malgré tout, un mystère. Il n'est pas facile de l'accueillir en vérité, surtout si nous connaissons la morsure de la souffrance. Quand tout va bien, quand il y a la réussite, le succès et la santé, il est assez facile de chanter la croix victoire de l'amour. Mais quand le Seigneur nous invite, nous aussi, à monter avec lui au Golgotha, nous reconnaissons bien vite nos limites. Alors que faire en ce Vendredi Saint? Nous méditons, frères et sœurs, la mort prématurée du Christ, sa vie terrestre n'a pas été longue, mais elle a été parfaitement réussie, parce qu'elle était centrée sur l'amour. Elle était centrée sur le fait que le Christ Jésus voulait faire la volonté de son Père. Oui, cette plénitude se trouve au-delà de la mort, dans la résurrection et la communion définitive avec le Père. C'est bien là
le symbole de notre propre aventure personnelle. Et pourtant, n'oublions pas, nous oublions du moins, trop souvent, que sur cette terre, nous ne sommes que des personnes de passage. Nous sommes des voyageurs. Nous avons trop tendance à nous installer dans ce monde. Nous savons que la vie éternelle commence sur cette terre. Mais nous oublions que son terme se situe dans la rencontre définitive avec Dieu. Pour entrer dans ce grand mystère de la croix, pour entrer dans son intelligence, il ne suffit pas seulement d'acclamer la croix. Ce n'est pas non plus de discuter à perte de vue sur ce mystère de la croix, mystère d'amour. Le plus important, frères et sœurs, c'est qu'en ce Vendredi Saint, nous prenons le modèle parfait, le modèle du Christ dans nos vies. Car lui, le Christ, n'a pas attendu le calvaire pour donner sa vie. Il l'a fait jour après jour, au hasard des rencontres. Chaque fois qu'il s'est mis au service des petits, des malades et des pauvres. Voilà, frères et sœurs, comment nous sommes appelés à donner notre vie, à nous modeler sur le Christ. Beaucoup ont compris cela et que la meilleure manière de porter sa croix, c'est de porter celle des autres. C'est de faire renaître et aider à renaître l'espérance. Tous ceux qui sont méprisés, asservis, malades, découragés, c'est ainsi que nous sommes appelés à célébrer la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour conclure, en ce Vendredi Saint, les uns pour les autres, nous prierons l'Esprit Saint pour qu'il ouvre chacun de nos cœurs à l'intelligence de plus en plus grande de ce mystère d'amour qu'est le mystère de la croix. Et c'est alors seulement que nous pourrons chanter en toute vérité: victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Pour cela, nous allons prier à genoux. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples.
Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque David, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants. Prions à Jésus. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as su toujours la paix.
son Église. Prions à genoux. Levons-nous. Levons-nous. Dieu éternel et tout puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église. Thank you.
Dieu éternel et tout puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends la prière des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus. Force de ceux qui espèrent en toi,
commencer la deuxième, qui est la vénération de la croix. Voici le bois de la croix qui a porté le salut. Je t'ai
Après la vénération de la croix, nous poursuivons avec le troisième événement qui est celui de la communion, qui est avant tout communion au mystère de la passion, mort et résurrection du Christ. Nous commençons par prendre la prière que lui-même a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, mets ta paix dans nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai bien. Que cette communion, Seigneur Jésus-Christ, entraîne un courant du jugement et de la nation, qu'elle soutienne votre esprit et votre corps et nous donne.
au soir, jusqu'au samedi soir, où
quel que soit ce qui arrive. Rien ne peut nous arracher notre joie de la résurrection, même pas le Covid. Rien du tout. Voilà. Et nous le savons, nous chrétiens, c'est-à-dire nous qui aujourd'hui rentrons, nous laissons mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui, alors nous vivons comme des enfants du royaume, des enfants de la vie éternelle. Alors il nous arrête. Nos frères et sœurs qui sont éprouvés, comme nous l'avons fait ce matin, nous continuerons à les porter dans notre prière en ce moment sacré où nous sommes au sommet de notre foi. Demain encore, nous portons la famille Lina avec nous, qui accompagne l'idée à sa dernière demeure, comme le disons, il accompagne vers le Père. Nous sommes en lien avec Pierre et toute sa famille pour qu'il garde l'espérance. Demain soir, donc, à 18h, nous allons nous retrouver pour célébrer la joie de Pâques où la vie a vécu la mort, où la mort n'a pas eu le dernier mot, mais Dieu qui nous aide et qui nous sauve. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternel.